Amis passants, amis lecteurs, je te donne bien le bonjour. Comme il fait super moche aujourd'hui, c'est l'occasion de passer aux petites librairies, donc n'hésitez pas, je vous le dis tout de suite. Puis c'est l'occasion de s'abonner à ma chaîne, parce que je vous le dis jamais, de cliquer sur la petite cloche et puis de faire tout ce qu'il y a à faire juste pour voir mes vidéos tout le temps. Et comme ça, vous saurez quand je fais une vidéo et vous pourrez la voir tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont vous connaissez déjà l'auteur, c'est Jacques Expert, mais cette fois-ci, ce n'est pas Hortense, c'est Deux gouttes d'eau. Mais si, Jacques Expert, vous le connaissez, il n'y a pas longtemps, j'avais déjà commenté son dernier roman qui était Hortense et qui avait été un vrai coup de cœur, l'histoire d'une femme qui pense retrouver sa fille et qui, au fur et à mesure de l'enquête, on va s'apercevoir que les choses ne sont pas aussi claires que dans sa tête. Eh bien, Jacques Expert avait déjà écrit des romans, et ça, je viens de le découvrir avec Deux gouttes d'eau. L'histoire, c'est simple. Élodie a été retrouvée morte, assassinée dans son appartement, décapité et affreusement mutilé. Tout paraît alors très simple pour les enquêteurs. En fait, ils étudient les bandes vidéo qui sont filmées dans la rue d'Élodie. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Que l'amoureux d'Élodie, son fiancé, est sorti à l'heure du crime de chez elle. On le voit très clairement sur la bande vidéo. Il s'appelle Antoine Delois, il travaille à la Défense et il paraît faux amoureux de cette femme. Mais là où le doute s'immisce, c'est qu'Antoine a un frère jumeau. Et ce frère lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et combien de la malchance sont atteints d'une maladie génétique qui fait que leurs empreintes digitales n'existent pas. Alors, c'est très compliqué de vous dire ce que j'en ai pensé en fait. Parce que j'ai lu Hortense avant. Et Hortense est tellement un monument et tellement l'un des meilleurs thrillers que j'ai lu de ma vie que... tout à coup, repartir sur les bases de Jacques Expert et sur les premiers livres qu'il a lus où forcément il y a moins de travail, moins de suspense et que c'est un premier roman, du coup, on n'est pas déçu, mais on est obligé de comparer. Pourtant, Deux gouttes d'eau, c'est un excellent thriller, j'ai rien à dire, tout est bien ficelé. En plus, c'est vraiment bien écrit, vraiment bien construit. Tout va vous donner des petits indices que vous allez récupérer, mais qui finalement, au bout du compte, vont plus vous perdre en conjoncture. Et vous serez surpris à la fin. Vous avez un petit peu l'habitude des livres, des thrillers, des policiers. Vous allez vite comprendre ce qui se passe et bien avoir les enquêteurs. Je n'ai pas forcément cherché à savoir qui était coupable de Franck ou d'Antoine du meurtre d'Élodie. Mais le livre est construit ainsi. C'est-à-dire que l'histoire est entrecoupée par la propre histoire de Franck et d'Antoine, et de l'histoire de leur jumélité et de leur rapport avec les parents. Du coup, il y a des petites phrases, des petits bouts, des petites idées qui apparaissent et qui vous donnent la piste de la fin. Et c'est vrai que j'avais bien compris, bien avant la fin, qui était le coupable. Après, ça reste un livre vraiment super intéressant. Si vous n'avez pas lu Jacques Expert, je vous conseille de commencer par celui-là, parce que c'est quand même une vraie genèse d'Hortense et il y a vraiment toute cette histoire familiale, toute cette histoire aussi autour de la folie qui est très intéressante et vraiment que je trouve vraiment bien construite et vraiment bien écrite. Et si vous êtes touché par tout ce qui est la gémellité, si vous avez vous-même des enfants jumeaux, si vous avez vous-même un frère ou une sœur jumelle, je vous conseille de le lire parce que pour le coup, c'est vraiment super intéressant. Maintenant, si vous avez lu Hortense, je vous conseille quand même de le lire. Ça reste un très bon polar et ça reste très agréable à lire. Maintenant, c'est pas le livre de l'année non plus, quoi. C'est un bon polar. Bref, c'est un livre à lire pour découvrir Jacques Expert. C'est un livre à lire pour découvrir le monde du polar. C'est un livre à lire pour ceux qui ont un rapport avec la gémellité. C'est un livre à lire, quoi. On garde donc Jacques Expert, Deux gouttes d'eau, qui retournera dès quelques minutes sous la pluie dans la petite librairie. Je vous conseille de le lire, de le prendre très vite. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Lou. Je vous fais plein de bisous. Salut!